Je suis en train d'essayer de faire sortir ces pivots du sol. Es-tu sûr que Paul... Encore une fois, je l'ai vu que... Merci d'avoir... Dès que t'as... Enfin, mais bon, là... Si tu fais passer une corde à travers les anneaux du puits, on devrait se retrouver avec une sorte de main courante, à laquelle je pourrais me tenir. Ok, on se bouge. Apparemment, t'es sur la bonne voie. Allez, on y va. Et voilà. Eh, t'évites de crever, merci.
Cher diacre Iago, si vous lisez ceci, mes soupçons étaient justifiés. Et vous avez été transmuté. Et si vous avez réussi à arriver là, alors l'ordre de Iago n'est pas aussi sûr qu'il devrait l'être. Ce sera désormais à vous de protéger le traité de la chair. Je vous considère comme un démon repenti pour la cause divine, une sorte de nouveau saint Paul, et je me félicite d'avoir été à l'origine de cette rédemption. Non seulement vous m'avez sauvé, mais vous avez également donné un nouveau sens à mon existence. Je prie pour parvenir à offrir aujourd'hui un nouveau sens à la vôtre. Que Dieu vous garde, mon ami Iago. Fergus Quinlan, Rome, le 27 octobre 1558. Cher diacre Iago, si... Grouille-toi! Les cataphliques vont arriver! Boris, on bouge! C'est bien ça que tu cherchais? Oui! Bonjour! Amanda? Vous? J'ai perdu votre trace à New York, mais grâce au portable de votre ami, j'ai réussi à vous retrouver. Maintenant, on va vous attacher, vous monter sur le bateau, et si vous tentez quoi que ce soit, il meurt. Ça vous va ?